Donc sans pouvoir avoir besoin de prendre son téléphone comme un moyen de paiement. Et donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un disait que c'est... Quelqu'un m'a envoyé un mot pour dire ça c'est le signe de la bête. 666. Alors je lui ai dit c'est faux et archi faux. Dieu n'a rien à faire avec un système informatique. Le nombre 666, c'est le nombre de la bête. C'est le nombre d'un homme qui va se lever à la fin, qui prouve simplement qu'il veut se faire passer pour Dieu. Donc nous devons comprendre que nous avons un privilège. Le message est venu pour ne pas nous permettre de nous égarer. Pour que nous ne puissions pas prendre tout ce que les gens disent comme monnaie courante. Par le message, nous savons qui est la bête et quel est le nom de son nom. Ça, on peut le lire dans Apocalypse chapitre 13, on le sait. Les autres ne le savent pas. C'est ce qui fait la différence entre eux et nous. Ce qui fait qu'ils peuvent craindre n'importe quoi, pensant que c'est ça le signe. Oh, le temps est arrivé, ou ce qui est écrit dans la Bible va s'accomplir. C'est pas ça. Nous savons ce que c'est. Et puis, nous savons également que le mouvement économique le Conseil mondial des églises en train de s'unir, tout le monde verra que c'est une bonne chose que désormais maintenant, les églises sont plus divisées, elles sont toutes devenues une. Alors que c'est contraire à ce que Dieu a dit. Là aussi, on peut le lire dans Apocalypse chapitre 13, c'est des choses pour lesquelles le Seigneur a voulu, en ces derniers temps, nous mettre en garde. Et il a voulu nous ramener à ce que les apôtres ont prêché, comment les apôtres ont vécu, comment ils ont marché, comment ils ont observé les commandements. Et j'aime dire une chose, bien aimé, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de polémiques en matière de la parole de Dieu, des Écritures. Les Juifs avaient la Bible écrite dans leur langue à eux. C'est leur langue. Mais ils ne la comprenaient pas. C'est ça que le Seigneur a dit, la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Amen. On se souvient de Nicodème, ce grand docteur de la loi, mais quand le Seigneur a commencé à lui parler, il ne comprenait rien du tout. Il dit, mais si tu ne peux pas comprendre les choses de la terre, quand on va commencer à parler des choses du ciel, comment est-ce que tu les comprendras? Toi, un grand docteur de la loi. Vous avez vu comment les pharisiens sont venus lui poser des questions. Ce matin, on en a parlé, il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir, est-ce qu'une femme que son mari répudie peut-elle se remarier? On a lu les Écritures simplement. Et ce qui fait beaucoup de confusion, il y a beaucoup de sujets dans lesquels il y a beaucoup de confusion. Et il y a des choses pour lesquelles notre bien-aimé frère, Branham, a dû attendre de recevoir de Dieu une réponse précise et claire. Et ramener tout dans les Écritures pour nous prouver que nous devons avoir la connaissance de Dieu en cette fin de temps pour ne pas faire des erreurs. Malheureusement, quoique Dieu ait tout donné, nous manquons d'humilité pour aller devant Dieu, pour obtenir ce qu'il a dit, ou nous révéler les choses dont il a déjà parlé. Au temps des apôtres, permettez-moi de vous dire que quoi qu'ils aient marché avec nous pendant des années, il y a des choses qu'ils n'ont pas comprises, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Et quand Dieu est venu, alors ils ont compris des choses qu'ils ne comprenaient pas, parce qu'il leur a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais on ne peut pas tout supporter. Amen. Mais quand le consolateur viendra, il vous connaît dans toute la vérité. Amen. Il prendra les choses qui sont de moi et vous les dire, il vous les enseignera. Et c'est vrai, avec le Saint-Esprit, avec le retour de la parole, aujourd'hui, en cette fin de temps, nous avons le privilège de savoir exactement ce que Dieu veut que nous fassions. Amen. Et c'est important. Donc ici, comme l'est écrit, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Amen. Toujours, c'est selon le Seigneur. Nos parents nous ont élevés comme ils le veulent. C'est de manière rudimentaire, je peux dire, sans la connaissance de Dieu. Mais nous, nous avons la connaissance du Seigneur pour que nous soyons élevés selon la voie du Seigneur et comment le Seigneur veut. C'est pour ça qu'il peut dire qu'on ne doit pas éloigner la verge d'un enfant parce que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Aujourd'hui, la science moderne, psychologique nous dit on ne doit pas corriger un enfant, que c'est mauvais. Mais la Bible nous dit on doit corriger un enfant parce que la folie est attachée à son cœur. Et j'ai dit à quelqu'un, avec le corona, ils ont posé la question, mais qu'est-ce que Dieu, vous qui priez là, vous qui êtes récepteurs de Dieu là, qu'est-ce que vous nous dites de la part de Dieu? Je leur ai dit, on a chassé Dieu de notre vie. On a chassé Dieu de la vie de nos enfants, on ne doit plus les corriger. S'ils font des bêtises ou pas, on ne doit plus rien dire. On doit les prendre comme des œufs, parce que sinon on les frustre. Mais la Bible dit de les corriger ici, de les instruire. Qu'est-ce qu'on a lu? Et vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant sur la voie qui doit suivre. Vous arrêtez votre micro. Ça me permettra de parler à chacun de vous. En les corrigeant et en les instruisant. Donc, il y a une instruction à donner aux enfants. Et les enfants, vous qui êtes là, qui me regardez, vos parents ont le droit de vous corriger et le devoir de vous instruire, selon la parole de Dieu. De vous enseigner comment vous devez vivre. Et que vous, votre rôle, c'est de les honorer. Ce matin, il y a appelé à quelqu'un qui a honoré son père. C'est vrai, on pourra peut-être parler plus tard. Et puis, serviteurs, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Malheureusement, aujourd'hui, pour nous qui sommes en Afrique, quand on a un frère chez qui nous sommes et avec qui nous a engagés pour que nous travaillions chez lui, or, comme c'est un frère, bon, on pense que tout nous est possible. On peut se permettre tout. La Bible ne dit pas cela. Ce n'est pas lui qu'on sert. Si on est chrétien, on fait tout comme pour le Seigneur. Même dans nos travaux, dans nos travail, dans nos bureaux, dans ce lieu de travail, nous ne faisons pas les choses comme pour la société qui nous emploie. Nous le faisons comme pour le Seigneur. De sorte que par moment même, on pense qu'on est fou, on fait le travail, on le fait au-delà de ce qu'on nous demande. Parce qu'on veut avoir une conscience pure. Et il a ici dit, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme pour des serviteurs, de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Donc, travailler chez quelqu'un et le faire vraiment de tout bon cœur, comme dans les bureaux, nous devons le faire de bon cœur, comme pour le Seigneur, comme si nous le faisions devant le Seigneur. Et c'est important. C'est le secret. Aujourd'hui, dans le monde où on est, où il y a beaucoup de méchanceté, où il y a beaucoup de mesquinerie, et même souvent, on ne paye pas les gens comme il se doit. Malgré tout, nous devons travailler comme Dieu nous le demande. Et puis, je peux continuer. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. C'est important. Parce que ça, il y a des frustrations dans les bureaux. On ne reconnaît même pas ce que tu fais. Même tu peux avoir des responsables supérieurs qui veulent te mépriser au point où ils peuvent raconter beaucoup de choses. Mais ce que toi, tu as fait, tu as à avoir une conscience pure devant Dieu. Tu dis, j'ai fait toutes choses comme pour le Seigneur. Amen. Et sachez une chose, quand vous le faites comme ça, un jour, Dieu prend votre défense. Amen. Un jour, Dieu prend votre défense. Quelqu'un me racontait une histoire où quelqu'un travaillait dans un bureau et tout le travail, c'est lui qui faisait. Mais son patron s'est rendu compte qu'il fait tellement bien le travail que tout le monde s'est rendu compte que c'est lui qui fait le travail. Donc, il a pensé par le brimer. Par faire toutes sortes de mauvaises choses. Et puis un jour, monsieur le ministre qui avait donné un travail à faire, c'est le jeune homme qui a fait le travail, il l'a remis à son patron, et le travail est monté. Et le ministre, il lit, il y a des points d'ombre pour lui. Et il appelle son directeur directement pour lui dire, tu m'envoies le rapport, je l'ai eu, mais voilà des points, je veux que tu me donnes les explications maintenant. Parce que moi, je dois rendre compte au président. Alors rapidement pour que je prenne des notes et que je comprenne et que ça... Là, le monsieur, il est coincé, il ne peut pas. Parce que ce n'est pas lui qui a fait le travail, il ne comprend pas. Il n'a pas été assez humble. Pour lui, c'est un moyen de nuire là, à son collaborateur. Mais là, cette fois-ci, c'est à lui que le problème va se poser. Et comme il n'arrivait pas, il a dit, mais qui a fait le travail? Est-ce toi qui as fait le rapport? Mais ce n'est pas toi. Si ce n'est pas toi, donne-moi le nom de la personne qui a fait le rapport. Et il était obligé de donner le nom du rapport, le nom de son collaborateur qui fait le rapport. Et quand on a appelé directement, il a appelé directement. Il n'a pas dit appelle-moi la personne, lui-même il a appelé directement la personne. Dans son numéro de téléphone, il a appelé directement la personne. Vous savez, quand le sujet veut prendre votre défense, il a tous les moyens de le faire. Il n'a pas besoin de quelqu'un. Et donc, le jeune homme reprend le micro. On dit, c'est monsieur le ministre. Ah, tout tremblant, il prend le téléphone, tout tremblant. Il ne sait pas. Il dit, bon, ben, j'ai reçu le rapport que vous avez fait. Vous avez posé la question à votre patron, je ne sais pas. Alors, je vous demande, c'est vous qui avez le rapport? Oui, c'est moi qui ai fait le rapport, monsieur le ministre. Bon, allez voir, tel point, tel point, tel point. Je voulais avoir des éclaircissements. L'enfant s'est mis là à expliquer tranquillement, puisque c'est lui qui a fait le travail. Il connaît sa chose. Il s'est mis à expliquer tranquillement, posément, jusqu'à la fin. Il dit, bon, voilà, c'est clair maintenant. Je peux aller devant ce dossier-là, devant le conseil de gouvernement, et je n'ai pas de problème. Félicitations. À son retour, alors que le jeune homme a été mis sous presse, il n'avait même plus de voiture, de service, il n'avait même plus assez de moyens, on lui a arraché tout, même ses primes, on lui a enlevé parce qu'on considère que c'est un mauvais garçon. Au retour du conseil des ministres, une heure de service sort, on le nomme à la place de son patron. C'est important de savoir que c'est Dieu qui nous défend. Amen. Si nous voulons que Dieu nous défende, nous devons faire comme Dieu veut que nous le fassions. Et comme nous le fassions, surtout en ces temps mauvais, en ces derniers jours où nous vivons des temps mauvais. Pour les chrétiens surtout encore, il y a des gens qui n'aiment pas les chrétiens. Et c'est le lieu de leur prouver que l'amour de Dieu habite nos cœurs et que nous faisons tout non comme pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Sachant que chacun recevra soit esclave, soit libre du Seigneur selon ce qu'il aura fait. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point de favoritisme. Pas parce qu'il travaille chez toi que tu es plus grand que lui, tu es meilleur que lui. Devant Dieu, vous êtes égaux. Ici-bas, Dieu a fait de toi ce que tu es. Dieu a fait de l'autre personne ce qu'elle est. Mais devant lui, vous êtes même chose. De sorte que vous ne devez pas mépriser ceux qui travaillent chez vous, comme eux ne doivent pas aussi abuser de leur qualité de frère pour faire n'importe quoi. Amen. Et ça, c'est important de le savoir. Vous qui êtes responsable de travail, ou vous-même qui êtes, je l'ai dit, des directeurs de société, prenez garde et faites les choses comme Dieu le veut, afin que vous soyez bénis. Colossiens 3, c'est l'un des chapitres que j'aime, cette église de Paphras. Vous savez, si vous voulez lire après du chapitre verset 1 de Colossiens 3, c'est très bon, mais je ne m'en irai pas là-bas. Je vais passer à partir du verset 14. J'espère qu'on n'a pas déjà fait derrière, hein? Non. Mais par-dessus toutes ces choses, quand il dit par-dessus toutes ces choses, c'est de lire à partir du verset 5 jusqu'à verset 13, vous verrez tout ce dont l'apôtre Paul a parlé ici à ces croyants qui étaient à Colosse. Il dit par-dessus tout ce qui est au-dessus, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous. Le mot revêtir veut dire habillez-vous. Soyez couverts par. Revêtez-vous de l'amour. Nous savons que dans ce message, un ordre a été donné à Frère Branham. Il s'est lui-même trompé, il a dit, auparavant, il avait pensé que l'amour est le signe qu'on a reçu du Saint-Esprit. Le jeune l'a repris, il a dit non. C'est celui qui accepte la parole qui a reçu le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est venu pour conduire dans toute la vérité. Mais l'amour est Dieu, il est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est quand tu l'as reçu, il te donne toute la vérité, qu'il répand l'amour dans ton cœur. Et c'est pour ça qu'il dit ici, nous devons être revêtus de l'amour. Parce que sans l'amour parfait, nous n'irons pas là-bas. Or, Dieu lui, l'amour. C'est quand il habite en nous que nous pouvons savoir qu'on a la certitude que, quel que soit notre état, mourir ou vivre, l'enlèvement là, on n'a rien à craindre. Ça, je peux le répéter et vous le répéter. N'ayez pas peur de la mort. Amen. Non. Si Dieu vous a visité, si le Seigneur a pris possession de votre âme, ayez la certitude que vous le verrez. Amen. Parce que lui-même fera tout pour que vous soyez saints. Amen. Il a dit vous serez saints car je suis saint. Amen. Il n'a pas dit vous allez vous rendre saints. Il dit vous serez saints car je suis saint. Amen. Et ce qui fait que vous pouvez être saints là, il a tous les éléments. Quand on retourne dans Ézéchiel chapitre 36, il dit je vais vous rassembler, je vais vous laver, je vais vous purifier de toutes vos souillures. Et comme je sais que votre cœur est mauvais, je vais ôter ce cœur de pierre. Amen. Et je vais vous donner un cœur de chair. Amen. Pour que vous soyez sensibles à ma parole. Le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. Qui peut le connaître, a dit Jérémie. Mais Dieu a décidé, pour ceux qui lui appartiennent, de leur donner un nouveau cœur. Parce que c'est dans ce cœur qu'il est habité. Et c'est vrai, quand on lit dans Matthieu 6 également, il dit, voici le cœur de l'homme. C'est de là que viennent toutes les mauvaises pensées, les mauvais désirs, les ceci, les cela. Mais quand Dieu veut prendre possession, toutes ces mauvaises pensées, les mauvais désirs, les injures et toutes ces choses disparaissent. Le manque d'amour disparaît. Et Dieu prend possession de ce cœur-là qui est le centre de contrôle de notre vie. Qui est le lien de la perfection. L'amour permet de nous unir. Quand on lit dans Actes chapitre 3, les premiers croyants, on dit qu'ils étaient un cœur, une âme. Amen. Ils étaient un cœur et une âme. Ils n'ont pas dit qu'ils étaient ensemble seulement. Non, on peut être ensemble sans être ensemble. On est dans cette salle. Nous tous, nous sommes dans la même salle. C'est vrai, non? Mais vous devez bien savoir qu'on peut être là et puis ne pas être ensemble. On ne se pas rassemblés, mais on n'est pas ensemble. C'est ça. Et il y avait 3000 âmes. Tous ces 3000 âmes-là converties formaient un cœur et une âme. De sorte que, est-ce qu'un homme peut le faire? Non, un homme ne peut pas le faire. C'est Dieu ce qui peut le faire. C'est lui qui peut donner un seul cœur à tout le monde et donner une seule âme à tout le monde. De sorte que, quand ils sont ensemble, ils agissent de la même manière. Dimanche passé, je crois que j'ai dû répondre en disant, quand Jean-Marie est arrivé au Gabon et qu'il est parti dans l'une des églises du message, la fois dernière, un frère m'a appelé et m'a dit, je suis du message, mais je ne suis pas du milieu de vous. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Il m'a pas quand j'ai fini de lui parler, j'ai dit, écoute, frère, que Dieu te bénisse, tu suis ta voix, moi je marche dans la mienne, parce que je sais que dans ce temps-là, il y a trop de directions. Mais Dieu ne viendra que prendre ceux qui sont attachés à la vérité. Alors il arrive là-bas, il m'appelle et dit, papa, est-ce que c'est nous qui sommes trop durs par rapport à nous-mêmes? Ou bien les autres sont trop légers? Je répète encore, comme je l'ai dit, je crois que je l'avais dit aussi dimanche passé ici, si je ne me trompe pas. Je le redis. Prenez un frère qui se trouve en Europe. Prenez un frère qui se trouve dans le fin fond de la forêt africaine, qui ne connaît même pas la ville, mais qui est converti, qui a le Saint-Esprit en lui. Prenez un qui est au Japon, quelque part là-bas en Asie. Allez aux États-Unis, allez au Canada, allez en Afrique du Sud. Prenez également un croyant, un vrai croyant, un vrai saint, et devant le même problème, devant un seul et unique problème, posez-leur la question, ils ont agira de la même manière tous. Amen. Pourquoi? Parce que c'est le même problème. Et ce n'est pas eux qui le... C'est pas eux. C'est l'esprit qui est en eux là. Amen. Comme il est unique, c'est lui qui les conduira à adopter la même attitude. Parce que la première question qu'on se posa, Seigneur, qu'aurais-tu fait à ma place? Dès que je dis, Seigneur, qu'aurais-tu fait à ma place? La réponse qu'il me donne, c'est la même réponse qu'il donne à l'autre. De sorte qu'on a la même attitude. Maintenant, si vous voyez aujourd'hui plusieurs façons de faire, restez tranquille, marchez avec Dieu. Amen. Quand le temps viendra, lui, il harmonisera. Et ceux qui sont à lui là, ils ont la même attitude. Amen. Pourquoi? Parce qu'on peut le lire dans Romains, dit, ceux qui la connaissent d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de Christ. Amen. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de Christ. Ceux qui la comptent d'avance. Donc, qu'ils soient des États-Unis, qu'ils soient de l'Asie, qu'ils soient de l'Europe, qu'ils soient de l'Afrique, qu'ils soient de l'Océanie, permettez-moi de vous dire, ils doivent tous avoir la même image. Amen. Parce que dans Galate, il est dit, vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Oui. Comment se fait-il qu'à Antioche, tous ceux qui étaient de l'église là, on les appelait chrétiens parce que leur attitude ne change pas. Quand on prend un, on prend une femme, on prend un homme, on prend un autre, devant la même situation, ils ont le même comportement, la même attitude, la même réponse, la même manière de faire. Que Dieu nous bénisse. Amen. Mais nous devons savoir que les enfants de Dieu sont un et un. Parce que ce qui fait de un, c'est l'Esprit de Dieu en eux. Amen. J'ai dit la fois dernière que quand Dieu dit à Moïse, prends des hommes, va devant la table d'assignation, eux, je mettrai l'Esprit qui est sur toi là, je prends ça, je le mettrai sur eux. Est-ce qu'ils ont la même manière de faire? Oui. Dès qu'il a pris l'Esprit qui était sur Moïse, il a mis sur ceux qui étaient partis dans la table d'assignation. Il y a deux qui sont partis. Ils se sont mis à prophétiser, mais ceux qui étaient restés dans le camp, ils ont commencé à prophétiser. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même esprit. Et ce qu'il nous faut aujourd'hui, frère, ce n'est pas de dire je suis dans le message. Ça ne veut rien dire. Le message est un moyen de nous sortir seulement du monde de la religion. Mais quand nous sommes sortis, qu'est-ce que nous sommes devenus? Est-ce que nous sommes encore d'autres religieux ou nous sommes devenus des croyants, des chrétiens? Le Seigneur a dit dans Malachie chapitre 4 que lui-même dans les derniers jours, il mettra une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. C'est qu'il le fera. De sorte que nous devons nous rendre compte que si je me trouve avec quelqu'un qui se dit frère et qu'on n'a pas la même manière de faire, la même manière de voir, on doit s'arrêter pour dire qui d'entre nous deux est dans la vérité. Et ramenons tout aux Écritures. Qui d'entre nous deux marche avec Dieu. On ramène tout aux Écritures. Ça va la peine de dire non, toi tu es dans le faux. Non, non, arrêtons-nous. Revenons aux Écritures. Voyons comment les apôtres, voyons comment les chrétiens du premier âge se conduisaient. Et ça, c'est important de le savoir. Et je termine ici. C'est dans... On est au verset... Je termine au verset 15 là. On a le verset 14. Le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Retenez ce mot, règne dans vos cœurs. Parce que dimanche prochain, nous allons parler de la parole de Dieu, agite-elle en vous. On en parlera. Est-ce que la parole de Dieu agite-t-elle en vous? Donc, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, c'est important. Hein? Pourquoi j'aime bien ce passage? Parce que les mots sont expressifs. C'est ça. Nous sommes appelés à la paix de Christ. Non pas autre chose. Notre paix, c'est Christ. Christ est notre paix. Et il nous a appelés à participer à sa paix. Dimanche passé, je l'ai dit, quand il envoie les apôtres, il a dit, quand vous arrivez dans une maison, s'il y a un enfant de paix, s'il y a un enfant de paix. Donc, ce n'est pas quand les apôtres rentrent qu'il devient un enfant de paix. Il est déjà. Dieu a fait de lui déjà un enfant de paix. Avant, à sa naissance même, il était déjà un enfant de paix. Donc, si on rentre dans la maison, qu'on trouve un enfant de paix, la paix qui est sur eux là repose sur lui. Si dans la maison, il n'y a aucun enfant de paix, leur père retourne à eux. Et si vous arrivez dans un milieu comme vous êtes un chrétien, c'est tellement facile de communiquer. Si vous êtes un chrétien, vous trouvez un chrétien, c'est tellement facile de communiquer. Il n'y a pas de barrière. La communion se fait très facilement. Amen. Parce que vous comprenez. C'est plein d'esprit. Mais quand ce n'est pas la même chose, vous allez vous rendre compte qu'il y a une barrière, il y a des réticences, et les choses ne peuvent pas aller de façon fluide. Mais ce n'est pas vous qui le faites. C'est l'Esprit de Dieu qui vous met en garde et qui vous donne de voir si vous êtes un enfant de Dieu ou ne l'êtes pas. Je poursuis. À laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Amen. Un chrétien est reconnaissant pour tout ce que Dieu fait pour lui, pour ce que tous les hommes font pour lui également. Amen. Souvent, il y a des gens qui sont très ingrats et c'est le signe de la fin des temps. Ils ne sont pas du tout reconnaissants. Mais le chrétien doit être reconnaissant pour ce que Dieu fait pour lui, pour ce que Dieu, par quelqu'un d'autre, fait également pour lui. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Oui, ça veut dire que la parole de Dieu a une richesse, une fortune. La fois dernière, on a posé la question. Le Seigneur a dit, venez acheter de l'or pour que vous soyez riches. Parce que pour le moment, là, vous êtes pauvres, misérables, aveugles et mieux, vous ne le savez pas. Et quand quelqu'un est dans une telle condition qu'il ne sait même pas, c'est que la situation est grave. Dès qu'on te dit, voilà ta situation, si tu es dans ton bon sens, tu vas chercher à le corriger. À savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Mais si tu ne peux pas corriger, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, même dans le message, beaucoup de croyants que nous sommes, nous ne nous rendons pas compte que nous sommes pauvres, misérables, aveugles et nus. Nous croyons que le message nous revêt, nous habille, et qu'on en a le ciel avec ça. C'est faux. Ce qui fait de nous des participants de Christ, c'est que nous sommes abreuvés d'un seul esprit à partir de son corps. Le message est venu pour nous sortir de la religion, pour nous sortir dans de mauvaises manières de faire, pour que nous soyons à Christ. Ce matin, je disais, dans les religions, ils ont une manière de prêcher. Ils ont 4 manières de prêcher. Dans ces 4 manières de prêcher, il n'y a pas de vie. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas dedans. C'est purement des dogmes humains, des credos humains. Mais ici, Dieu nous donne de parler par le Saint-Esprit en voix du ciel. Amen. Oui, ça fait la différence. Ça fait vraiment la différence. Oh, ça me souvient, ça me rappelle un peu seulement quand la reine de Saba est partie voir Salomon. Il y avait beaucoup de sages. Hein? Comprenez bien, il y avait beaucoup de sages. En son temps, certainement, il y avait beaucoup de sages. Il y avait les satrapes, on pouvait aller dans tel royaume, vous avez vu autant en Égypte. Il y avait des sages, il y avait toutes sortes de vins et tout. Chez Nebuchadnezzar, il y en avait de la même manière, il y en avait toutes sortes de sages. Mais ce n'est pas la même chose. Quand la reine de Séba a entendu parler de Salomon, elle dit, mais il faut que j'aille voir. Quel est cet homme dont on parle tant? Amen. Dont on parle tant de la sagesse. Je vais le voir qui il est et son peuple. Et quand elle est partie, elle a traversé tout le désert. Elle s'est exposée à des pirates. Elle aurait pu être tuée et tout. Mais quand elle est arrivée, elle a assise pendant des heures pour voir, pour entendre, pour regarder. À la fin, elle était convaincue. Et elle a fait beaucoup de dons à Salomon. Et le frère a dit, en prêchant, oui, cette femme-là se lèvera au jugement et condamnera cette génération perverse. Parce qu'ils n'ont pas vu Dieu agir. Aujourd'hui, nous également, frères, également faisons attention. S'ils n'ont pas compris comment Dieu agit et comment Dieu a agi, nous serons surpris. Il y a beaucoup de personnes qui vont nous condamner simplement. Parce qu'ils n'ont pas eu le discernement pour comprendre que c'est Dieu qui fait ce qu'il fait. Et c'est important que nous ayons le discernement. Que nous serons transformés par le renouvellement de notre intelligence, comme il est écrit dans Romains chapitre 12, versets 2 et 3, pour que nous discernions quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon et parfait devant lui. C'est important que nous puissions y arriver. Que la parole de Christ demeure en nous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Souvent, beaucoup manquent de sagesse et parlent très mal aux autres. Ils qualifient les autres de n'importe quoi. Ils leur donnent n'importe quel nom. Ils ne savent même pas quelle expérience l'autre a fait avec Dieu. Malheureusement. Mais nous devons être sages pour avoir le discernement, pour savoir quel est le besoin réel de chacun, afin que chacun de nous soit en paix avec Dieu. Et je poursuis. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, en vertu de la grâce. Alléluia. Amen. Oui, prions à tout moment, chantons, louons Dieu, soyons reconnaissants pour tout ce qu'il fait pour nous et servons-le de tout notre cœur. Et quoi que vous fassiez, il n'a pas fait la liste de ce que vous ferez. Il n'a pas fait la liste. Il dit, quoi que vous fassiez, c'est-à-dire, tout ce que vous êtes amené à faire, ou devez être amené à faire de toute votre vie, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom Amen. Du Seigneur Jésus. Amen. Que vous parliez, vous parlez comme Dieu parle par votre bouche à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si on se comprend. Ouais. Si vous devez parler, dans 1 Pierre 3, je crois si je ne me trompe pas, il est écrit que si quelqu'un parle, ça soit comme il annonce des oracles de Dieu. On peut regarder ça. 1 Pierre. C'est 1 Pierre 4, 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au sein des siècles. Amen. Amen. Donc ici également, si nous devons parler, ça soit comme nous annonçons les oracles de Dieu aux autres. Si ce n'est pas le cas, il est mieux de la fermer et de rester tranquille. En œuvre comme en parole comme en œuvre. Si vous faites une œuvre quelconque, sachez que vous devez la faire comme c'est le Seigneur qui vous donne de le faire. Non pas comme pour les autres. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. Faites tout. Frères, faisons tout. Que Dieu nous aide à faire tout en son nom. Amen. Ce que nous ne pouvons pas faire au nom du Seigneur, ne le faisons pas. Amen. Ce matin, je parlais de la volonté de Dieu. Comment connaître la volonté de Dieu? Pas entièrement, parce que quelqu'un a pris la question. La volonté de Dieu, la première chose, c'est la parole de Dieu. Quand je veux mener une action, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Et le deuxième élément que j'ai donné, c'est l'état de notre cœur. Quand votre cœur est en paix, et puis vous devez prendre des décisions, faire une chose, si votre cœur se trouble, vous devez arrêter. Parce que le chrétien doit avoir en lui la paix à tout moment. Amen. Si votre cœur se trouble, ne le faites pas du tout. Pourquoi votre cœur est troublé? Parce que l'Esprit de Dieu en vous dit, vous avertit, que ce que vous allez faire là, Dieu n'est pas dedans. Mettez-vous à l'écart. N'y allez pas. Je peux vous donner des exemples, mais ce n'est pas le lieu. Vous mettez votre micro hors d'entente en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Que son nom soit béni. Je peux encore faire lire un passage. Voyons voir Philippiens 3. Ce passage, je ne sais pas si je l'ai vraiment bien noté. Oui, c'est Philippiens 3, 17 à... On va le lire entièrement jusqu'au verset 30, 21. Auparavant, j'avais voulu le lire de 17 à 19, mais je vais le lire du verset 17 à 21. Soyez tous mes imitateurs frères et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui il y a beaucoup de modèles. Beaucoup de modèles. Mais il y a un modèle qui doit être considéré, qui mérite d'être considéré. L'apôtre Paul nous dit de marcher sur le modèle qui est en eux. L'apôtre Paul est celui qui peut dire « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ ». Donc quand il dit, si vous avez quelqu'un qui a le même modèle que nous, que ce qui est en nous, suivez-le. Donc il est question qu'aujourd'hui, nous vous donnons le discernement pour savoir qui marche comme Paul a marché. Moi, je vous ai dit la fois dernière, non seulement Frère Bernard a porté le message, mais sa vie de tous les jours, pour moi, est un enseignement pratique. Amen. Ça, c'est clair. Et quand je regarde comment Paul a marché, je dis... Il y a un modèle que Dieu a donné. Le monde n'est pas notre modèle. Le monde n'est pas notre modèle. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit dans Romains, soyez transformés, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, n'imitez pas le siècle présent. Alors, qu'est-ce que c'est ce siècle dans lequel nous sommes? En son temps, ce siècle était le siècle présent. Au temps de Noé, il y avait un siècle. Au temps de Lot, il y avait un siècle. Il y avait une manière de vivre, il y avait une manière de faire. Quand vous en arrivez au temps de Paul, il y avait une manière de vivre, une manière de faire. Le monde, selon le monde. Pas selon la parole de Dieu, mais selon le monde. Quand vous en arrivez au temps d'Irénée, il y avait une manière de faire. Tu arrives à Colomban, à Martin, à Luther, à Wesley, il y avait une manière de faire en leur temps. Selon le monde. Et pour chacun, il va te dire, ne vous comparez pas à ce siècle-là. Ce siècle dans lequel vous êtes là, c'est un siècle présent. Ne vous conformez pas à ce siècle. Cherchez à vous conformer à la parole de Dieu. Parce que celui qui est chrétien, il peut discerner facilement comment le monde se conduit, comment le monde se comporte. Mais celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne verra pas la différence. Il verra qu'on peut faire tout ce que les autres font. Non, le chrétien, il est un enfant à part. Dites bien que quand on prend dans l'ancien temps un fils de roi, on l'élève en tant que fils de roi et il a une manière de se conduire. Il ne va pas imiter la conduite de l'enfant du paysan, de l'enfant du forgeron ou je ne sais d'autre, l'enfant du médecin, même quand c'est un médecin. Le fils du roi est élevé en tant que fils du roi parce que demain il va prendre le trône. Demain il va s'asseoir sur le trône. Et nous, également, nous devons nous conduire comme des fils de Dieu devant un jour d'asseoir avec notre Père sur son trône. Et ça, c'est important. C'est pour ça qu'il est bon que nous marchions. On a dit c'est 4,17, c'est ça, non? Le verset 11. C'est le verset 11, le verset 12, c'est ça? 3,17. Et Philippiens 3, oui. J'avais Pierre encore dans la pensée. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Voilà déjà ce que l'apôtre Paul disait en son temps. En son temps déjà, il y avait des gens qui marchaient en ennemi de la croix. Que ce soit des femmes ou des hommes qui marchaient comme des ennemis de la croix. Mais ça veut dire qu'ils sont au milieu de l'église. C'est ça, oui. Ils ne sont pas hors de l'église, ils sont au milieu de l'église. Mais leur marche est une marche qui n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Parce que l'apôtre Paul sait à quoi Dieu l'a appelé. Il sait qui l'a appelé. Il sait qui l'a rencontré. Et c'est ça qui fait le problème aujourd'hui. Beaucoup n'ont pas encore fait d'expérience réelle avec Dieu. Et surtout, excusez-moi de le dire, parmi nous qui prêchons, nous sommes nombreux à ne pas avoir fait une connaissance véritable de Dieu. Nous sommes des suivistes. Et ça crée beaucoup de problèmes. De sorte qu'on peut même marcher en ennemi de la croix, tout en pensant faire la volonté de Dieu. Et je poursuis. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte et ne pensent qu'aux choses de la terre. L'apôtre Paul ne parle pas des gens qui sont au dehors. Les gens qui sont au dehors, c'est normal qu'ils vivent comme ils vivent. Mais ceux qui sont dedans, ils doivent se conduire d'une manière différente. Comme des gens qui cherchent le royaume perpétuel, la cité permanente. Un jour, peut-être, on reviendra si le temps se poursuit comme ça toujours. Autrement, un jour, on reviendra sur les héros de la foi de Hébreux 11. Vous verrez comment ces gens-là ont marché pour faire la différence entre eux et les hommes du milieu desquels ils ont vécu. Et nous également aujourd'hui, nous devons marquer la différence entre le monde et nous. Même au sein de l'Église, il doit y avoir une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Dans l'Église aujourd'hui, il y en a qui ne vivent que pour de l'argent. Il y en a qui n'aiment des gens que parce qu'on leur fait du bien. Il y en a qui n'ont d'amitié que ceux qui peuvent les secourir. C'est tout ce qu'ils cherchent. J'ai été un peu malheureux la fois dernière quand on me dit qu'on a dit à des gens, il n'y a pas de culte. Rentre à la maison. S'il n'y a pas de culte, comment on va rentrer à la maison pour nous, nos enfants? Ah donc vous venez seulement pour qu'à la fin on vous donne de l'argent pour nourrir vos enfants et vos familles. Mais vous ne venez pas pour le ciel, a priori. Celui qui vient pour le ciel là, qui l'a mangé n'est pas mangé, c'est qu'il y a un qui peut pourvoir. Amen. Et le Seigneur a dit, ne vous inquiétez de rien. Amen. Mais faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières de supplication. Le Seigneur dit, les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu les nourrit. Après, il nourrit les oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent. Et puis moi, que Dieu a créé à son image, en plus, non seulement il m'a créé à son image, mais il m'a fait connaître sa volonté à cette fin des temps. Il n'est pas capable de prendre soin de moi, de mes besoins. Si tu n'es pas capable de prendre sur mes besoins, ce n'est pas de mon âme pour être capable de sauver. Alors ça, je le dis. Ça fait que ça soit un sacrilège. Non. Tout ce qui est alimentaire là, qui est autour de moi là, si Dieu ne parle pas de ça, mais attends, c'est parce que je ne vois pas là. Pour que je sache, c'est que ce qui est naturel là, soit devenu quelque chose de réel. Je le vois agir. Alors je sais qu'il agit également dans le spirituel, dans le surnaturel. Oui. Alors je dis, je suis sauvé. Alors je marche avec Dieu. Mais ma prière n'est pas exaucée. Ma demande n'est pas accordée. Pourtant, il a dit, si vous savez donner de bonnes choses aux enfants, à combien de forte raison votre Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit que vous demandez? Si vous demandez, vous donnera. Cherchez, vous trouverez, frappez, vous ouvrira. C'est faux, mais c'est vrai. C'est ce qu'il dit, c'est écrit. Mais c'est ce qui est écrit ne peut pas s'accomplir dans notre vie de tous les jours. C'est pas ce qui est surnaturel là qu'on verra. Que Dieu soit à notre secours. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Ce matin, on parlait un peu de l'assujettissement. On en parlera quand on parlera dans ces deux ponts. Un, comment ça peut agir en vous? Deux, qu'est-ce qui vous possède? Ou qu'est-ce qui domine sur vous? Alors on verra bien. Il y en a qui arrivent un peu en retard. Bon, et si c'est maintenant que tu te réveilles, bonne arrivée, tu te réveilles un peu tard, tu te signaleras qu'on t'envoie l'enregistrement après. Je vais lire, j'ai encore un autre verset que je voudrais qu'on lise pour terminer. Je lis ce verset que je n'ai pas lu. On va lire dans Ecclésiaste 12, qui est la vraie conclusion de toutes ces choses. Regardez Ecclésiaste 12. Prenez Ecclésiaste chapitre 12. Pour terminer ça, il est bien long. Je le lis jusqu'à du verset 1 au verset 9. Peut-être s'il faut encore continuer sur le même passage, on le lira. Mais c'est la conclusion de ce que nous avons traité jusqu'à maintenant. Jeune homme, rejette-toi dans ta jeunesse. Je vous ai dit qu'en fait, ce message-là, je l'avais destiné aux jeunes gens. Mais c'est aussi valable pour nous tous. Vous avez vu que quand on l'a regardé, c'est aussi valable pour les parents que pour les enfants. Rejette-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et sur les regards de tes yeux. Mais c'est là où il y a un point qui doit nous intéresser. Fais tout ce que tu veux. Ne te prive de rien. Mais fais attention. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Pour tout ce que tu vas faire. Donc si Dieu t'appelle en jugement pour tout ce que tu dois faire, alors cherche à faire ce qui agrade à lui. Amen. Pour que quand tu te présenteras devant lui, tu n'es pas à te justifier parce que tu ne pourras même pas te justifier. La fois dernière, j'ai parlé de Daniel Curry. Daniel Curry qui a prêché, gagné des âmes au Seigneur. Et puis, un jour dans une vision, il va au ciel et on appelle les gens à rentrer dans la cité céleste. Il a tellement attendu ce jour-là que pour lui, le jour est arrivé. On fait l'appel depuis les là, les autres passent. Il voit certainement les gens à qui la parole de Dieu qui rentrent. Mais lui-même qui a prêché là, il ne peut pas rentrer. Après, il approche l'un pour dire, attends, ça fait longtemps que je suis là. Même des gens que j'ai vu passer, il y en a à qui certainement que j'ai conduit au Seigneur. Et moi-même, je suis là. Et il dit, mais ton nom n'est pas sur la liste. que moi j'ai. Et il n'y a pas deux listes. C'est la seule liste. Ton nom n'est pas sur la liste. Il dit comment mon nom n'est pas sur la liste? Moi, je peux gagner des âmes au Seigneur, et puis moi-même, mon nom n'est pas sur la liste. Et il rentre, et moi, il ne rentre pas. Il dit ton nom n'est pas sur la liste. Maintenant, si tu veux passer au trône blanc, tu passes au trône. Il dit mais je passe au trône blanc. Ce n'est pas possible que moi, j'ai servi et que moi, je ne rentre pas dans la cité. La chose pour laquelle j'ai consacré toute ma vie. Ça, c'est une grande désillusion pour beaucoup de personnes. Hein. Une grande illusion pour beaucoup de personnes. Une grande désillusion, pour parler comme ça. On va être surpris qu'on ait gagné beaucoup d'âmes certainement au Seigneur. J'écoutais un cantique, les gens disent, nous avons beaucoup d'âmes à gagner, nous avons amené 1,540 milliard d'âmes au Seigneur. Et on dit que Seigneur, cette œuvre-là, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est ton œuvre. Alors envoie des hommes, envoie des femmes, toi-même pousse des gens dans ton champ. Oui, que Dieu pousse les gens dans son champ. Mais que nous soyons convaincus que ceux qui sont destinés à lui. Alors Daniel Curry va devant le trône. Et au fur et à mesure qu'il s'approchait du trône blanc, on appelle ça le trône blanc. Au fur et à mesure qu'il avançait, tout devenait plus clair. Plus clair, plus clair, plus clair, plus clair, plus clair et plus bon. Mais lui-même, il n'y a pas une question qu'on va lui poser à laquelle il va répondre oui. Parce que toute sa vie est devant lui maintenant. Daniel, sur la terre, n'a pas pris ça à telle personne? Si. N'as-tu pas fait ça? Si. N'as-tu pas dit tel jour? Si. N'as-tu pas agi avec telle personne de telle façon? Si. À toutes les questions qu'on lui a posées, Daniel Curry n'a jamais pu dire non, c'est faux. Ou oui, ça là, c'est comme ça que je l'ai fait, parce que c'est conforme aux Écritures. Il la va lui dire condamné. Mais si tu es arrivé là, c'est que tu viens à ton jugement. Puisque ceux qui n'ont pas besoin de jugement là, là on est dans la liste. Et ils rentrent. Si tu arrives ici, c'est quand tu dois te faire juger. Et puis, une petite voix sort par derrière pour lui dire Père, pardonne à Daniel Curry. Car sur la terre, il a pris position pour moi. Ici, je prends position pour lui. Amen. Voilà tout ce qu'il a sauvé. Ce n'est pas sa justice à lui. Il pensait être tellement juste. Il pensait mériter tellement le royaume parce qu'il a apprécié l'évangile. Mais là, il a compris même que ses œuvres les meilleures sont comme un vêtement souillé. Dieu n'a point eu égard à tout ce qu'il a fait. La seule chose, c'est que l'agneau de Dieu qui a été immolé pour lui a pris position pour lui. Il dit, je prends position pour Daniel parce que là-bas, il a pris position pour moi. Alors, quel est notre état, nous? Dans quelle situation sommes-nous? Est-ce que nous prenons position pour Christ ou nous cherchons à nous défendre nous-mêmes, à nous montrer nous-mêmes, à faire voir aux autres ce que nous sommes? La question m'est d'être posée. Je poursuis. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. J'écoutais un chant, peut-être j'ai copié les paroles dedans, où la femme chantait, dit tout est vanité. Elle dit ça te sert à quoi de gagner le monde entier si tu perdais ton âme? Tout est vanité. Que tu aies toutes les voitures du monde les plus belles que tu veux, mais sache que c'est vanité. Que tu aies toutes les maisons, sache que c'est vanité. Que tu aies tout l'or et tout l'argent du monde, sache que c'est vanité. Que tu aies les plus beaux garçons, si tu es une femme, tout est vanité. Que tu aies les plus belles femmes, sache que c'est vanité. Parce que le jour où tu seras dans la tombe, où seront tous ces éléments-là? Rien ne t'accompagnera. Rien. C'est à ce moment-là que tu sauras bien que tu es nu. Mais si tu as gagné le ciel et que Dieu te donne également les éléments de la terre, ça ne te dira rien de les avoir parce qu'ils n'ont pas d'impact sur ta vie, sur ton âme, ni sur tes pensées. Ça ne te rendra pas orgueilleux par rapport aux autres. Et on poursuit. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point plaisir. Il y a le temps qui arrive où tu te rends compte que tu t'es fatigué pour rien, pour parler comme ça. Tu as passé ton temps à courir en vain. Maintenant, tu as bu toutes les liqueurs qui existent dans le monde. Tu as connu tous les pays qui existent dans le monde. Il n'y a rien que d'autre t'es privé. Regardez bien Salomon. Les femmes même ont détruit son cœur. Mais comme Dieu a dit, je ne lui retire jamais ma grâce. C'est ce qu'a suivi Salomon. Parce que Dieu a dit à David qu'il ne va pas lui retirer sa grâce. Si vous voulez, la semaine prochaine, vous donnez le verset. Quand il devait choisir David, il devait choisir Salomon, il a dit, je ne vais pas lui retirer ma grâce. Dieu savait sur le chemin par lequel Salomon passerait. Mais Dieu a prévu de ne pas lui retirer sa grâce. Frère, que nous marchions avec la grâce de Dieu. Amen. Avant que s'obscurcisse le soleil, et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, tant d'où les gardiens de la maison tremblent, et les hommes forts se couvrent, ou celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, ou ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. C'est les membres de notre corps dont il est question ici. Ceux qui mouillent, c'est quoi? Ce sont nos dents. Où ça arrive, tu n'as plus de dents. Quand l'âge arrive, tu n'as plus de dents, tu n'as que les gencives qui sont là. Maintenant, aujourd'hui encore, on peut nous fabriquer des dents artificielles. Mais en ce temps-là, dans les villages, allez, vous allez voir certains vieillards qui étaient très beaux, qui étaient jeunes. Maintenant, tout est rentré là. Et puis, pour manger, il ne peut plus manger comme il se doit. La main tremble, les mains tremblent. Il ne peut plus rien attraper. Pas les gardiens. Les gardiens, ceux qui font... Quand ils disent, tu me connais? Maintenant, ils tremblent comme ça. Il n'y a plus de possibilité. Et ceux qui regardent par les fenêtres sont tes yeux. Tu regardes par les fenêtres pour voir tout ça. Ça s'obscurcit. L'œil, les yeux ne voient plus clair comme avant. Mais si on te donne des verres, on va te donner de grosses loupes. À peine tu verras. Et le jour où ce vieux frère nous a donné les caractéristiques de ces humains, j'ai regardé, j'ai dit oui, c'est vrai. Et où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand ça baisse le bruit de la meule. Tu vois, les deux battants ne sont plus capables d'apercevoir le bruit de la meule. Les oreilles deviennent un peu plus sourdes. On te parle, tu dis, hein? Hein? Tu dis quoi? Il dit quoi? Peut-être vous n'avez jamais fait attention de rapprocher des gens qui sont très très vieux. Ils ont même le mal, du mal à saisir, du mal à voir, du mal même souvent à parler. Où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où la mandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la cave n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent se détache, et que le vase d'or se brise, que le seau se rompt sur la source, et que la roue se casse sur la citerne. Avant que la poussière ne retourne à la poussière, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais qu'on s'arrête par là. Il y a 2 ou 3 versets, mais je pense qu'on peut. En me demandant de lire 2 Samuel 7 aussi. Oui, ça, ok. 2 Samuel 7, oui, c'est vrai. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, c'était avec mon ancienne Bible. J'avais tellement marqué dedans. Cette fois-ci, il n'a voulu rien écrire dedans. 2 Samuel 7, je crois le verset 8 à 15. C'est ça, oui. 2 Samuel 7, 8 à 15. Le verset même, c'est le 15. Oui. C'est le public qui a fait le... Mais tu diras à mon serviteur David. Je crois que ça, c'est Nathan. Dieu parla à Nathan. Parce que David a dit, il a dit à Nathan, voilà ce que fait Nathan a dit, Dieu avec toi, va. Après la nuit, Dieu est parti dire à Nathan que non. Ce que tu as dit, c'est pas ça. Va dire à David, retourne. 2 Samuel 7, il lit à partir du verset 8. Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi par l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. J'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Ouais, après qu'il ait fait le quicklum vitae de David, il a donné à David son quicklum vitae pour qu'il sache d'abord qui a fait de lui ce qu'il est. Amen. Parce que souvent, on ne sait pas qui a fait de nous ce que nous sommes, malheureusement. Mais Dieu lui a dit qui il était et ce qu'il est devenu aujourd'hui, qu'est-ce qu'il lui a donné. Le verset 11, c'est ça? Verset 12. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je lèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtirai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retirée de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Amen. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Amen. Amen. Et je sais que quand vous partez dans, je crois, deux chroniques, c'est là où il donne le nom de celui qui va être la postérité de David, qui doit pouvoir bâtir la maison. Mais si je prends, dimanche prochain, prenez ma Bible, ma vieille Bible, et là, je vais vous donner rapidement les éléments. Que Dieu nous bénisse. Amen. Maintenant, on va prier. Frère Ladé, tu vas prier. Et puis on va répondre aux deux questions, à moins qu'il y en ait qui est aussi en un qu'on puisse regarder et répondre. Frère Ladé. Seigneur, nous te remercions. L'amour que tu as pour chacun de nous. Amen. Merci de nous avoir réunis autour de ta parole. Mm-hmm. Tu as parlé simplement comme tu le faisais quand tu étais sur la terre. Tu parlais simplement. Mm-hmm. En parabole, mais tu révélais ta parole. Oui. À ceux qui étaient de toi. Amen. Seigneur, révèle-nous simplement ta parole. Mm-hmm. Afin que nous puissions la vivre. Que nous ayons pour regard ces modèles-là. Amen. Oh notre Dieu, pour que nous puissions te ressembler. Mm. Merci encore pour tout. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé. Oui. Bénis-le richement. Oins-le davantage. Amen. Et que cette onction soit en nous. Amen. Amen. Pour que nous la vivions. Mm-hmm. Merci encore pour tout. Sois béni. Oui. Donne-nous des oreilles de disciples. Oui, c'est vrai. Parce que tu veux que ta parole demeure en nous dans toute sa richesse. Amen. Pour que nous puissions porter du fruit. Du fruit. Dans ce monde pervers. Mm-hmm. Parce que tu veux que nous soyons différents. Oui. Merci pour tout. C'est toi qui le feras. Oui, c'est vrai. Et nous le croyons. Amen. Transforme-nous, Seigneur. Renouvelle notre intelligence. Oui, c'est vrai. Pour que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu. Mm-hmm. Merci pour tout. Sois loué. Au nom de Jésus. À toi, le Dieu tout-puissant. Sois l'honneur, soit la gloire. Oh Seigneur, merci parce que tu nous aimes. Mm-hmm. Merci parce que nous t'appartenons. Amen. Oh, nous sommes les brebis de ton pâturage. Oui, c'est vrai. Seigneur, merci. Mm. Oh, notre Dieu. C'est une richesse que tu viens de nous accorder. C'est vrai. Seigneur. Mm-hmm. D'être dans cette maison, tu as parlé simplement. Oui. Et nous sommes heureux. Amen. Parce que, Seigneur, nous croyons que toi qui as fait cette promesse, tu es fidèle. tu l'accompliras en nous. Amen. Sois béni, glorifié, exalté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Il y en a qui continuent de se connecter. Ils sont vraiment bien en retard. Je ne sais pas s'ils ont ils ont trop dormi ou ils sont un peu fatigués. Bon, voilà une question simple qui a été posée. C'est par rapport à Matthieu 25, verset 4. On va lire ce verset avant de revenir à un autre qui est beaucoup plus... quoi qu'elle soit très simple, apparemment, mais je l'ai trouvé assez profond pour développer et aller chercher. Matthieu 25, verset 4. Mais je lis quand même avec verset 1, au moins pour que vous sachiez. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. La question est de savoir qu'est-ce que ce passage veut dire, ce verset 20, ce verset 4. Dans ce verset 4, la chose la plus importante, à mon sens, on parle de sages. Les vieilles sont sages. Et puis ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont pris de l'huile. En plus, vous voyez, quand on regarde, on dit que c'est des vierges. Elles sont vierges parce qu'elles ont été sanctifiées par la parole de Dieu. C'est ça qui fait la virginité. Quand on partait dans après 17, on parle de la femme, la prostituée, qui s'est prostituée avec les rois de la terre. C'est l'Église qui s'est prostituée. Parce que dans la Bible, la femme typifie l'Église autant chez Israël que chez nous, les gentils. Maintenant, celle les sages, elle ne s'est pas prostituée, elle est vierge. Mais en quoi? Où se trouve sa sagesse? Sa sagesse trouve seulement qu'elle a su prendre de l'huile avec elle. Alors, la seule chose à savoir, qu'est-ce que c'est que cette huile-là? L'huile typifie le Saint-Esprit, c'est le sément du Saint-Esprit. C'est des personnes qui ne sont pas seulement restées éclairées. Parce que la lampe éclaire. Et on a lu la fois dernière dans le Psaume 119 que la révélation de ta parole nous éclaire. Comment le genou orientant-il son salut? Puis c'est en marchant selon la parole de Dieu. N'est-ce pas? Donc la révélation de la parole nous éclaire. C'est faute de connaissance que le peuple de Dieu meurt. N'est-ce pas vrai? Donc, la sagesse, c'est que les gens ont été instruits dans la voie de Dieu et qu'ils ont une lampe qui les éclaire dans ce lieu obscur dans lequel nous marchons aujourd'hui. Mais ne suis pas contenté d'aller avec l'onction seulement, parce que je me souviens que quand on était à Williamsville, un frère m'avait dit, c'est l'onction qui fait la différence. Oui, l'onction fait la différence quand on a la chair, mais dans la vie pratique, c'est le baptême de Saint-Esprit qui fait la différence. Amen. Par l'onction, c'est l'absence de Dieu qui vient sur toi et qui part. Amen. Et frère Bernard m'en a parlé quand il était dans cette église pentecôtiste où deux personnes parlaient, un parlait en langue, l'autre interprétait, et les deux avaient une vie différente. Pourtant, c'est la même onction, la même puissance qui descendait sur les deux. L'autre parlait en langue, l'autre interprétait. Et c'était correct, c'était juste. C'était la même onction qui venait. Et l'exemple a été donné que tu prends des mauvaises herbes, tu prends les bonnes herbes, c'est la même pluie. Quand ils ont soif, c'est la même pluie, ils attendent la même pluie. Et quand la même pluie arrive, chacun se redresse, chacun est content, parce que quand il y a la sécheresse, il n'y a pas d'eau pour tenir la tige. Prenez les cas de bananiers, nous qui sommes là, qui connaissons les bananiers, en saison sèche, les bananiers se déprécient et périssent. Et soit si un petit vent, elles se cassent rapidement. Mais en période pluvieuse où elles ont pris beaucoup d'eau, elles sont résistantes. Donc, les sages sont celles qui non seulement ont reçu la parole de ce jour dans lequel nous sommes, mais qui aussi sont remplies du Saint-Esprit et qui forment le corps de Christ. Parce que Seigneur était déjà jugé, il peut être jugé. Et comme ils ont été abreuvés pour faire un seul corps avec Christ, ils vivront avec lui et ils s'en iront dans l'allemand avec lui. Donc, frères ou sœurs, et ce que j'ai dit, j'ai gardé l'anonymat de la personne, c'est vrai, il dit frères ou sœurs, et je vais vous donner les versets bibliques qui permettra que vous regardiez. Il y a beaucoup de versets, mais j'ai pris, je crois, j'ai gardé 1, 2, 3, 4 ou 5. Je vais vous les donner pour que vous puissiez voir que l'huile est le symbole du Saint-Esprit. Vous prenez le psaume 23, verset 5, pour ne pas prendre beaucoup de temps. Le psaume 45, verset 8, je pense que ceux qui veulent le noter, le notent. Le psaume 61, verset 1 à 3, et puis le grand psaume 133, verset 2, où on parle de l'huile qui est versée sur l'Aaron. Mais vous devez vous en rendre compte que autant Aaron que tous les serviteurs, avant qu'ils ne commencent l'œuvre, on les a toujours loin d'une onction. Vous prenez l'Ancien Testament, tous les Lévites, même les ustensiles, ont été loin d'une onction. Vous regardez quand Samuel est parti pour choisir David pour être roi, il est parti avec une file d'huile. Et c'est ça qu'il a reversé sur sa tête pour le oindre, pour faire de lui un roi. Donc, globalement, voilà ce dont je peux parler par rapport à ce verset biblique qui parle de la sagesse des sages, de la lampe et de l'huile. La parole de Dieu est notre lampe qui nous éclaire. Mais cette parole-là ne peut pas éclairer si l'huile, le Saint-Esprit n'est pas là pour nous révéler ce que dit la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il pouvait faire le reproche à Nicodème. Mais regardez Paul. Prenez également Paul. Paul qui a été enseigné par le grand docteur de la loi, Gamaliel. Il n'a pas compris les choses jusqu'au jour où le Seigneur l'a rencontré sur le Damas. Il n'a pas compris. Pour lui, les gens s'opposaient carrément à ce que Moïse enseignait. Et cependant, il savait que depuis Samuel jusqu'à maintenant, on a parlé de Christ qui doit venir de sa souffrance et tout. Et c'est de ça que Pierre, Jean, Jacques, en leur temps avant que lui n'arrive, parlaient. On parlait du Messie, on parlait du prophète qui allait venir, Moïse en a parlé. Mais c'est de ça qu'il est question. Mais quand c'est le Damas, il a rencontré le sujet, qu'il a su que la colonne de feu qui a conduit le peuple d'Israël, c'est la même colonne qu'il a rencontrée sur la rue de Damas. Et quand il est arrivé à Damas, Pierre en est venu, et qu'il lui a imposé les mains, et que ses yeux, les écailles sont tombées de ses yeux, il a été rempli du Saint-Esprit, on l'a baptisé, et depuis ce jour, les choses ont changé. De ce qu'il peut dire, tout ce qu'il considérait comme de l'argent pour lui, aujourd'hui c'est comme de la boue. Parce qu'il a rencontré Jésus et il a connu Christ dans sa puissance. Que Dieu nous bénisse. La deuxième question, on dit ceci. Au début de la grande tribulation, l'Église restera 40 jours dans le désert. Pendant cette durée, ou bien cette période, elle pourra se nourrir et se guérir de toutes les maladies. Est-ce que c'est vrai? Non, il n'y a aucun passage biblique par lequel on peut justifier cette chose-là. Ça n'existe pas. Par contre, ce que je peux vous dire est ceci. J'avais pensé trouver le parmi, je pense que tu vas me le trouver tout de suite. Le Seigneur parlait, les Juifs parlaient de 2 jours. Je crois que c'est l'un des prophètes, je crois que c'est pas Amos ou Joël, parlait de 2 jours qui nous sont destinés. Nous, les gentils, alors, si on veut, on va commencer par Daniel. On va commencer par Daniel 9, parce que je voulais que ça soit un peu plus précis pour chacun, pour que ça soit plus simple. Dans Daniel 9, on pourrait lire. C'est Daniel qui confessait ses péchés, qui a jeûné, prié, et puis qui a confessé ses péchés. Et là, le Seigneur va lui révéler les choses qui devrait encore arriver. Quand on prend, je vais lire à partir du verset 23. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour l'annoncer, te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte. Sur le peuple de Daniel et sur la ville sainte, non, sur Israël et sur la ville sainte. 70 semaines. Et les semaines comprenaient ça comme des années. Alors, quand vous multipliez une semaine et 7 jours, n'est-ce pas? 7, 2 par 7, ça fait 49. Bon. Alors, quand on poursuit, il dit, pour faire cesser les transgressions. Vous pouvez écouter le message, les 6 buts de Daniel, de visite de la vie de Daniel à, de la vie de Gabriel à Daniel. Il y a 3 messages de Gabriel à Daniel, de la vie de Gabriel à Daniel, pour montrer effectivement ces éléments-là. Mais je le lis avec vous, mais vous pouvez aller écouter ce message également. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, pour oindre le saint des saints. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en état fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Donc, il y a 7 semaines et 62 semaines. Ça fait 62 semaines. Donc, au bout des 62 semaines, le Messie, qui est le Seigneur, sera retranché. C'est-à-dire, le Seigneur viendra et on le mettra à mort, il s'en ira. Et quand il se poursuit, il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire. Et sa fin sera comme par une inondation, et il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. La dernière semaine, il va faire une alliance pour la dernière semaine. Et quand on parle de la dernière semaine, c'est au peuple d'Israël. L'alliance va être faite avec le peuple d'Israël. Bon, alors en s'arrêtant là, donc on se rend compte que le Seigneur, après 69 semaines, a été retranché. Nous, on a le temps aujourd'hui de marcher avec le Seigneur jusqu'au jour de l'enlèvement. Au jour de l'enlèvement, il y a 2 choses qui vont se faire. Il va y avoir 3 événements qui vont coïncider à peu près. 1, il y aura cette alliance-là que le pape, les catholiques, parce qu'aujourd'hui, si eux décident de signer, ils vont signer avec Israël pour qu'ils puissent construire le temple. Et c'est ce qu'il va se faire. Pour que là-bas, il ait la paix. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de paix. Mais il faut qu'il ait la paix. Il faut qu'ils reprennent l'adoration comme autrefois. Depuis que le Seigneur Jésus est mort, où le temple a été détruit, l'adoration n'est plus faite comme avant. L'âche n'est plus là. On sait que l'âche n'a pas été pris. Il est resté dans le sol. Et les gens ont semblé avoir retrouvé où se trouve l'âche. Le temple des musulmans n'est pas construit sur le site du temple. C'est pas vrai. Donc ils savent tout. La vache rousse aujourd'hui existe. Les juifs ont tout fait pour réavoir la vache rousse. Pour qu'on puisse avoir tout ce qui a été pour la purification, comme au temps de Moïse, comme au temps où le temple a été construit. Donc, à cette période-là, il va y avoir 3 événements pratiquement. Nous, les saints du dernier jour de ce Nouveau Testament, qui devraient être enlevés, à cette période-là, il va y avoir cet accord qui va être signé, mais également, les 2 prophètes de l'Apocalypse 11 vont entrer en action. Dès qu'on a enlevé, il n'y a plus de salut pour les gentils. Le Seigneur envoie l'évangile aux Juifs. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand l'enlèvement a lieu, les Juifs reçoivent l'évangile pour la préparation des 144 000. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour que les 144 000 soient scellés. C'est que dans après chapitre 7, ils vont être scellés. Et Satan dit, ne faites pas du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que les 144 000 qui viennent de la tribu, de chacune des tribus, soient scellés. Après ça seulement, qu'on va avoir tout le mal qui va exister. Alors, ça pour le comprendre, tu es obligé de lire dans après chapitre 12. Également, dedans, tu auras la femme qui a fait le fils mâle. Le fils mâle, ce sont les vainqueurs, le petit troupeau, ceux qui vont être enlevés. Et qu'elles sont enlevées, le diable n'a pas été capable de nous empêcher de marcher avec Dieu jusqu'à ce que nous soyons enlevés. Il va se fâcher pour aller vers la femme. La femme, ici, tu as, si on peut voir le verset 15 jusqu'au verset 16 et puis au verset 17, vous allez avoir un autre groupe de personnes. Donc, les premiers éléments vont concerner un, dès l'enlèvement, il va rester maintenant les vierges folles qui vont passer par la grande tribulation. C'est cela que le Seigneur va mettre à côté. Si vous voulez bien voir le livre, la chose après le chapitre 12, que ce soit plus clair, que ce ne soit pas que ce que je dis. Il avait verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Le fils même avait déjà enfanté. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu où elle est nourrie, un temps, des temps, la moitié d'un temps. Ça, vous retrouvez ça dans Daniel chapitre 10, non, Daniel chapitre 12 également. Vous allez vous rendre compte que l'homme vêtu de lin a juré en levant la main au ciel, qu'il y a un temps, des temps, la moitié d'un temps. C'est le 3 ans et demi. La période de 3 ans et demi. Donc, pendant la période de 3 ans et demi, les vierges folles vont être sauvées et mises quelque part. Le Seigneur va les protéger pour que, en ce temps-là, l'alliance étant faite, les Juifs peuvent adorer jusqu'à la moitié, jusqu'à ce qu'on arrive juste à la fin des 3 ans, premiers 3 ans et demi, parce qu'il reste une semaine. À la fin des trois ans et demi, au milieu de la 7e année, non, je vais de la 70e semaine, au milieu de la 70e semaine, il va y avoir la rupture. Parce que le Seigneur va quitter les noces pour venir se faire connaître à son peuple. Et les 144 seront scellés. Du coup, ils vont reconnaître que celui-là, c'est un imposteur. Parce qu'il allait s'asseoir dans le temple pour se faire Dieu, pour qu'il soit adoré. Alors, voyant cela, ils vont rompre l'alliance. Et à partir de là, jusqu'à la fin de la 70e semaine, la grande persécution, la grande tribulation va avoir lieu. C'est là que, et les 144 000 juifs qui ont été scellés vont être mis à mort. Et même les vierges folles également vont être mis à mort. Si vous voulez voir, vous partez dans, après chapitre 21, on te dit, ceux qui n'ont pas adoré la bête et son image, et ceux qui avaient le témoignage de Dieu et de Jésus, revinrent à la vie et rentrèrent dans la ville sainte. Donc, ils vont rentrer dans le millénium. Donc, il n'y a pas de 40 jours. Il n'y a que 3 ans et demi. Moi, j'en avais parlé une fois, depuis longtemps, j'ai fait ce graphique-là pour que vous voyez. Je pourrais vous envoyer ça. J'ai tout le cycle qu'il faut. Là, vous avez le temps de l'enlèvement avec tout ce qui va se passer. Voilà la moitié de la 70e année, la 70e semaine. Et à partir d'ici, c'est la grande persécution de tout, des vierges folles et des 144 000. Et ici, c'est la fin. Alors, vous allez voir qu'avant le millénium, il y a deux périodes qui sont là. Avant qu'on ne rentre dans la guerre d'Armageddon, avant de rentrer dans le millénium. Donc ça, c'est des choses qu'on peut plus tard expliquer complètement. Et puis bon, on rentrera dans le millénium pendant 1000 ans, on vivra tranquillement. Et puis après, le diable qui a été en ce moment-là, au moment du commencement du millénium, qui a été pris et enfermé dans l'abîme, enchaîné et mis dans l'abîme, sera délié et venait encore pour tenter ceux qui sont sur la terre, parce qu'il y a des gens qui sont sur la terre, qui vivront également. Ce n'est pas seulement les saints, mais il y a des gens qui sont dans les villes. Avant, c'était difficile à comprendre, mais en lisant, comprenant, en prenant ce que Frère Bernard a enseigné, en prenant ce que Frère Franck a enseigné, en prenant le tout ensemble, en ramenant tout dans les Écritures, on se rend compte effectivement, il y a des gens, comme la Bible il décrit, ils venaient adorer à Jérusalem. Donc, chers frères ou chères sœurs, voilà, il n'y a pas 40 jours pendant lesquels l'épouse va être enlevée systématiquement. Juste. Parce que quand on lit bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, on voit bien comment ça va se passer. C'est en un clin d'œil, en un instant. Vous partez dans 2 Corinthiens chapitre 15 également, vous voyez bien comment ça se passe. On est transformé en un seul instant et puis on est parti. Il n'y a pas de jour ici-bas. On verra les autres ressuscités. Et puis dès qu'ils ressuscitent, et nous, ceux qui sont vivants, vont être revêtus d'un nouveau corps. Ils vont être transformés. Et puis tous prenons l'envol sur les nuées pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Mais il n'y a pas de temps à passer sur la terre. Ces 40 ans dont on a parlé, les 40 ans, ces 40 jours plutôt, les 40 jours, c'est quand le Seigneur est ressuscité des morts. Il a passé 40 jours avec les disciples. Et il leur a dit, tranquillement, de l'attendre. Et 10 jours après, ça fait la Pentecôte. C'est les 10 jours après que la Pentecôte a eu lieu. Ça fait 10 jours de la résurrection jusqu'à ça fait bien 10 jours. De la Pâque jusqu'à la Pentecôte, ça fait bien 10, ça fait bien 50 jours. 40 plus 10. Et puis voilà. Mais pour ce qui concerne l'épouse, pour l'enlèvement, il n'y a pas de jour à passer sur la terre. Non. Ça n'existe pas. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà brièvement et succinctement dit. S'il y a des précisions, vous pouvez vraiment les poser pour qu'on puisse aller plus profondément et tranquillement. Mais pour aujourd'hui, voilà ce que je peux vous dire. Que Dieu soit avec vous. Amen. On va prier. Oui. Père Céleste, sois loué, glorifié. Ces choses-là n'étaient pas connues des autres. Mais à notre temps, tu les as révélées pour que nous sachions comment nous devons vivre et les étapes qui vont suivre jusqu'à ce que l'enlèvement ait lieu. Et même après l'enlèvement, ce qui va se passer sur la terre, nous l'a fait connaître. Tu nous as montré que deux hommes ayant le ministère de Lee et de Moïse viendront pour Israël. Pendant 3 ans et demi, prêcheront. Jusqu'à ce que Père Tout-Puissant, les 144 000 puissent recevoir et aussi le Saint-Esprit et reconnaître Jésus comme leur Messie, le Messie qu'ils ont crucifié, le Messie qu'ils ont percé. Et dans Zacharie, il a dit que les familles s'uniront, se sépareront et pleureront amèrement. Ô notre, quand ils verront que c'est eux qui ont mis à mort le Messie qu'ils attendaient, parce que leurs yeux étaient fermés à cause de nous. C'était à cause de nous que Seigneur, il n'avait pas eu le cœur ouvert, l'intelligence ouverte, l'esprit ouvert et les yeux ouverts pour reconnaître le Messie. Mais ce n'est pas nous seulement. Il y a quelques personnes du peuple d'Israël qui avaient été choisies également dès avant la fondation du monde pour faire partie de ce groupe-là. Quand nous voyons les Paul, les Pierre, les gens ne sont pas les païens, ce sont des Juifs. On soit loué, soit remercié, glorifié. On se fait toutes choses bonnes. Notre Dieu, notre Père. Et comme de tous les âges, il y a des élus. Ainsi, de tous les âges sortiront ceux qui sont les vainqueurs. En lisant les 7 âges de l'Église, nous voyons seulement que celui qui vaincra, oui, il a toujours des vainqueurs dans chaque âge. Sois remercié, glorifié, maintenant, bénis-nous. Bénis chacun de nous. Et fais de chacun de nous des disciples, comme l'avons écouté. Oh, notre Dieu, c'est tellement merveilleux de ce que tu nous revêtes tes secrets. Amen. Aux apôtres, oui, c'est là tes disciples. Tu peux parler à tout le monde par des énigmes, par des paraboles. Mais à côté, pris à part, tu leur révélais le sens de ce que tu as dit. Comme aujourd'hui, tu nous donnes également de comprendre ce qui est écrit en paraboles, en symboles. Tu nous as tout révélé. Nous te sommes vraiment reconnaissants. Mais donne-nous de ne pas seulement être des auditeurs qui pensent qu'ils ont tout, mais plutôt nous devons être de ceux qui ont tout. Et qui ont le Saint-Esprit. Et qui ont la vie de Dieu en eux. C'est de ça dont nous avons besoin aujourd'hui. Visite chacun de nous. Amen. Visite nos bien-aimés qui ont écouté en ligne. Bénis-les, fortifie-les, garde-les et remplis-les de ton esprit. Amen. Prépare chacun d'eux pour l'enlèvement. Prépare nous aussi ici Amen. Pour l'enlèvement. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un est-il malade, Seigneur, que tu confirmes cette parole-là en le relevant simplement. Qu'on n'ait pas besoin de prier pour lui. Quelqu'un a-t-il des troubles, Seigneur, que tu t'apportes la solution pour montrer que, Seigneur, nous avons prêché selon la vérité. Accorde-le au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen.